C'est bon. Pour moi, c'est bon.
Enfin, une dégénérescence normale, en tout cas, de ton souvenir. C'est plus mobile, dans le sens où tu sens que la voiture prend plus de roulis par rapport à une Mégane RS, et là, la Mégane RS est plus rassurante. Au-delà de ça, effectivement, elle bouge pas mal sur les entrées freins. Là, tu sens qu'elle est un peu mobile, mais ce qui va saturer davantage, c'est vraiment sur l'entrée frein, c'est que tu vas perdre le train avant. Au-delà de ça, sur la remise de gaz, la puissance est vachement proportionnée au châssis. J'ai jamais trop été pris en défaut sur la remise de gaz au niveau du train avant. La boîte est plutôt bien guidée. Il faut quand même décomposer pour être sûr d'enclencher, mais c'est vraiment pas mal fait. Mieux que dans la Mégane pour le coup. Ouais. Le freinage était bien et c'était un des bons points. Ça tient beaucoup mieux que ce que t'avais pas aimé sur la Mégane. Ouais, là j'ai été étonné parce que j'ai pu enchaîner les tours sans avoir peur que ça freine moins ou d'avoir une pédale spongieuse ou quoi que ce soit. Et là j'étais agréablement surpris du freinage. Et là tu sentais que premier tour, il y avait encore matière à gagner sur mon premier tour, j'ai senti que justement, en fait, j'ai pas exploité le châssis jusqu'où ça pouvait aller, parce que je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi bien, quoi. Chrono, tu penses, tu t'attendais à. Bah, je sais pas, 2.074, je sais pas si tu es en fait. 2.074, ouais. En fait, c'est mieux que Focus RS l'ancienne. Ouais, donc ça confirme, en termes de sensation, ça confirme que. Et en sensation, tu préfères une Civic Type R aussi? Ouais, je préfère la Civic Type R. Voilà, c'est un peu tendre, mais sympa. En fait, la Civic Type R, ouais, c'est ça. C'est, en fait, c'est là que c'est ça. Elle est plus souple. Mais elle reste sympa et elle reste saine. Ce qui fait que pour un track day et pour se faire plaisir, au final, t'as des freins, elle est mobile et elle est simple à emmener. Donc en fait, tu te fais jamais peur avec et elle est saine. Par contre, la Civic Type R, je me rappelle qu'elle était beaucoup mieux tenue au sol, elle était beaucoup plus raide et la boîte, c'était vraiment, vraiment autre chose. Ok, bon, ok. Alors, hop, allez, j'ai envoyé direct. Sympa. J'espère qu'il va pas pleuvoir là, les gars. Ouais, il y avait quelques